Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, nous allons parler de Maat, la déesse égyptienne de l'ordre cosmique et surtout de la justice. Elle est également la déesse de l'équité, de la paix, de la vérité ou encore de la rectitude. Considérée comme une des filles de Ré et compagnon de Thoth. Mais à quoi peut bien ressembler cette déesse? C'est une femme dont les attributs principaux, ou dont l'attribut principal surtout, est la plume d'autruche. Parfois, elle peut être représentée ailée. C'est autant une personnalité qu'un concept. L'individu doit se conformer à Maat. Elle ne possède aucun temple, toutefois elle est souvent représentée dans quasiment tous les temples des autres divinités. Il faut aussi rappeler que le pharaon a comme mission In Maat Der Itsef, Isfet et le désordre et le mal, donc il doit avoir une mission d'ordre. Je le rappelle aussi, le vizir, figure judiciaire égyptienne, est considéré comme un prophète de Maat et ainsi il doit rendre la justice en son nom. Mais revenons-en à Maat. Elle apparaît principalement dans le Livre des Morts. C'est un texte mythologique qui raconte les diverses étapes que doit passer le mort pour pouvoir prétendre au paradis égyptien. Elle apparaît notamment dans la confession négative, appelée aussi les 42 lois de Maat. Ce sont des règles de vie que chaque humain est censé suivre avant d'être jugé. Celui qui réussit à respecter toutes ces règles est appelé le Maakeru. Bien souvent, c'est un grand prêtre. En effet, avant d'atteindre le paradis ou l'enfer égyptien, l'âme doit être pesée sur une balance. D'un côté du plateau, il y a l'âme, de l'autre côté, il y a la plume d'autruche appartenant à Maat. Le tout est jugé devant le tribunal d'Osiris avec différents juges divins. Pour citer quelques exemples de lois de Maat, on retrouve notamment le fait de ne pas avoir dit de mensonge durant sa vie, de ne pas avoir été violent, de ne pas avoir fraudé, de ne pas avoir diffamé, ou encore de ne pas avoir injurié quelqu'un. Toutes ces informations relatives à Maat, elles peuvent être utilisées et reliées à d'autres épisodes que l'on a déjà mis en ligne, notamment celui de Thémis, avec une autre déesse de la justice et donc peut-être une autre conception de la justice. Leurs différences et leurs points communs peuvent être ainsi soulignés. Mais aussi, on peut souligner l'aspect religieux qui peut alors être relié à d'autres pratiques, notamment par rapport aux religions monothéistes, le jugement dernier, etc. On le voit aussi, la conception actuelle de la justice qu'on a, et on le voit dans la représentation de cette justice, est assez intemporelle et reliée aussi à Maat, puisqu'on a encore cette idée d'une balance que l'on retrouve chez les Grecs, et une balance d'ailleurs que l'on appelle ou que l'on dit dite grecque. Si l'histoire de Maat vous intéresse tout particulièrement, je vous invite à notamment acheter le Livre des Morts ou à vous le procurer pour voir un petit peu comment elle est mentionnée et pourquoi elle est mentionnée. Vous avez aussi divers livres de mythologie égyptienne qui pourront vous éclairer. Et pour le reste, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer ou de commenter, de partager. Ça aide le podcast à vivre et survivre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.